Il s'agissait d'une table accolée à une autre sosie de la première, bois verni, carré, pied central. Quelques verres de vin à moitié plein disposés sur le vernis. Autour, il y a quatre connards, un mec et trois jeunes demoiselles, style perdri effarouché, en quête de dévergondage. Vous penseriez que je sors le colt et que j'aligne? Non, au lieu de ça, j'observe, je scrute, je m'immisce dans cet insipide jeu de regard frustré. D'ailleurs, juste en face de mon nez, un bouquet de belles grosses fleurs jaunes. Ce ne sont pas des tulipes ni des crocus, en tout cas, elles dégagent un doux parfum qui fait chavirer l'esprit vers l'agréable et l'inspiration. Le groupe de jazz, les jazzmen donc, se repointent, ils sont nus. Le saxophoniste me lance un regard complice. Moi, je lui montre mon coude, il acquiesce. Un point, c'est tout. Attendez, pas si vite. Je vous disais donc qu'il y avait trois demoiselles et un coquelet frêle et aux aguets en train de raconter des merdes dans l'optique d'un jeu de séduction mal dissimulé. Alors le mec dit qu'il n'a pas aimé Pulp Fiction, alors que tout le monde lui avait dit que c'était trop marrant. Attendez, juste pour dire que le saxophoniste joue extraordinairement bien. Putain, il est fort ce con, il se permet tout. Voilà un vrai pornographe authentique. Donc notre jeune perdreau et Pulp Fiction, lui, est resté de marbre. Il pivote légèrement vers ses 2 heures. Et il me remarque, non, en fait, il remarque surtout mon colt, que je braque sur lui en psalmodiant des rites 5K inquiétants. Heureusement que Blue Monk nous berce à coups de tierce, judicieusement assaisonné par ces trois cancres de la musique baroque qui découlent fortement bien. Et ça fait plaisir en face de moi. Je suis toujours caché derrière mes fleurs jaunes, avec la bougie près du vase qui dégage cette délectable odeur de cire chaude. Rassurante, j'ai déjà rangé mon colt au moment où je bois une autre gorgée de bière offerte par le patron admirable avec sa bouteille de vin sur son comptoir qui trône telle une grosse verge mal apprise. Pour conclure, le bar, c'est un bel endroit. Le café, la musique coulent bien et il y a un club échangiste au sous-sol. Alors ma correspondance s'arrête ici. Laissez-moi vous souhaiter bonne chance, les amis. Thank you.